Bonsoir, vous êtes bien sûr la libre antenne, donc voilà, un tout petit peu de retard ce soir. Comme nous vous l'avions promis, nous avons avec nous le docteur Jean Duchazeau. Je ne suis pas docteur, je suis psychologue de psychologue. Formation. Voilà, on parlera tout à l'heure. Voilà, donc vous êtes un spécialiste en tout cas de l'endocrinopsychologie. J'aime pas ce terme de spécialiste, mais je m'occupe de endocrinopsychologie, c'est exact, qui est une discipline que j'ai nommée ainsi il y a une trentaine, 35 ans, parce qu'elle représentait vraiment le contenu de ce que je développe à partir des travaux d'un médecin, d'un savant, qui était le docteur Jean Gauthier de Bordeaux, qui a une histoire, peut-être je vais en parler. Vous allez en parler, bien sûr. Vous, justement, le docteur Jean Gauthier, vous avez hérité de ses travaux, c'était un... Alors, l'histoire quand même, qui vaut la peine d'être mentionnée, sinon développée, c'est que le docteur Gauthier est d'abord un enfant qui est né avec un handicap étonnant, qui n'était pas aperçu à l'époque. Il était hypothyroïdien congénital. Cette hypothyroïdie était connue, s'est fait connaître dans les années qui ont suivi, privait les sujets d'intelligence vive, de mémoire, de capacité mémorielle. Il ne pouvait donc pas mémoriser ni apprendre le langage. Il ne pouvait pas faire d'études, il parlait donc très tard, il arrivait à parler quand même, mais très tard, il marchait très tard également. Bref, ils étaient atteints de handicap, et c'était le cas du docteur Jean Gauthier. D'accord. Et alors, cette histoire est assez invraisemblable. Il s'est nommé lui-même pré-mongolien, le stade qui est avant le mongolisme, donc la trisomie maintenant, cette trisomie qui donne ses difficultés, puisque la trisomie, c'est une hypothyroïdie congénitale, en fait. Alors, il était atteint de cela, mais il voulut se transformer, enfin les années ont passé, il a passé son bac avec beaucoup de difficultés, et il voulait faire sa médecine, on lui disait, c'est pas possible, tu n'as pas assez de capacité, mais il était très très volontaire, et il a réussi, donc après son bac, à entrer en médecine. Et là, il découvre qu'il est atteint d'hypothyroïdie, c'est-à-dire que les leçons de ses maîtres, le professeur Mongour à l'époque, décrivaient les états d'hypothyroïdie, donc la fatigue extrême, la lenteur intellectuelle, l'absence totale ou quasi totale de mémoire, le manque de vivacité, surtout le manque émotionnel, pas d'émotion, pas de vitalité, pas d'adaptation non plus. Et quand il a entendu ce descriptif, il s'est dit « mais je suis atteint de ces symptômes complètement. Il suffit donc que je me traite à l'hormone thyroïdienne pour que je me transforme. » Et c'est ce qu'il a fait. Il s'est donné donc de très forts extraits thyroïdiens, jusqu'à 40 cm par jour, et à l'époque c'était très fort, puisque les doses assez fortes c'était déjà 15 cm ou 20, et lui il en prenait 40, et c'est là qu'il s'est aperçu qu'il se transformait. C'est là qu'il s'est rendu compte que son intelligence se développait, que sa mémoire s'améliorait, que ses capacités s'amplifient, bref, il découvre l'impact inimaginable des glandes endocrines. Alors, les glandes endocrines, voilà, ça c'est pour rappeler à nos téléspectateurs, qu'est-ce que les glandes endocrines? Alors, évidemment, on a affaire à un public qui n'est pas forcément formé à la physiologie, bien sûr. Bon, les glandes endocrines, c'est quand même un peu connu, même si on est profane, ce sont quatre organes principaux, il y en a pas mal, mais il y en a quatre principales. Il y a l'hypophyse à la base du cerveau, il y a la thyroïde à la base du cou, il y a les deux surrénales au-dessus des reins, et il y a la fameuse glande génitale, dont je pense qu'on dira un mot un peu fort, parce que c'est vraiment très important. Et ces quatre glandes sécrètent des hormones. Les hormones, qu'est-ce que c'est? Ce sont des petites molécules très, très, très fines et qui travaillent sur notre économie de façon infinitésimale. Alors, ces hormones sont sécrétées par ces organes glandulaires. Donc, les glandes sécrètent des hormones qui sont... répandu dans le flux sanguin. Donc, c'est le sang qui les recueille et qui va les distribuer sur les cibles cellulaires. Et voilà. Et donc, qui mène une transformation du corps qui stimule les fonctions, qui procure des qualités fonctionnelles, des qualités physiologiques, des diverses qualités. Par exemple, la taille, c'est la somatotrophine. C'est une hormone d'hypophyse, de l'antéhypophyse. Cette hormone fait grandir les sujets. Si on a une hypofonction de l'hormone somatotrophine, on ne va pas, une hypofonction grave évidemment, on ne va pas grandir. D'où le nanisme, on est nain. Et donc il faut compenser, la médecine essaye d'arriver, il y a eu des problèmes, on ne va pas tout dire.
La thyroïde également donne une hormone qui fait grandir, mais moins que l'hypophyse. Elle fait grandir, notamment si on prend les batraciens, nous savons que les batraciens subissent une transformation évolutive à partir du tétard, si je prends la grenouille, grâce à l'hormone thyroïdienne. Voilà, donc ce sont des hormones qui permettent, puisque je parlais de la taille, d'avoir une influence sur le grandissement du corps. D'accord. Mais vous avez les hormones qui agissent sur notre état psychologique. D'où le thème d'endocrinopsychologie que j'ai créé il y a 35 ans, parce que je voulais qualifier le contenu que m'a laissé en héritage ce fameux savant, docteur Jean Gauthier de Bordeaux, qui a travaillé cette influence des glandes sur le comportement. C'est des milliers de pages. Et j'ai voulu nommer ce contenu, et un jour j'ai eu l'idée de nommer ça endocrinopsychologie, parce que c'est non seulement une étude des glandes endocrino, mais pour mieux me séparer du certificat d'endocrinologie et de la médecine, c'est aussi une endocrinopsychologie, parce que ces glandes agissent sur notre esprit, sur notre psychisme. C'est donc plutôt une psychologie qu'une physiologie. Alors, les deux termes permettent de cerner un peu le contenu général. L'endocrinopsychologie, finalement, qu'est-ce que c'est ? C'est l'étude qui veut comprendre les relations qu'il y a entre le corps et l'esprit. Sujet très bateau qu'on essaye de résoudre par la philosophie et par bien d'autres disciplines, sans doute, mais qu'on n'a jamais vraiment résolu. J'expliquerai peut-être comment et pourquoi on n'a pas résolu à l'époque. Maintenant, je pourrais dire que je prétends très immodestement, mais enfin, restons modestes de toute façon, on n'a que ça à faire, mais que cette endocrinopsychologie parvient à résoudre en partie vraiment ce problème des relations corps-esprit. D'accord. Alors, en fait, on était en train de partir de l'historique. Alors, je dirais, en plus de ce qu'on disait tout à l'heure, que l'auteur Gauthier, qui se voyait se transformer par l'apport d'extraits thyroïdiens à forte dose, a mis en doute, bien évidemment, tout ce qu'on lui racontait en médecine. C'est-à-dire quoi ? En résumé, que le cerveau, que le système nerveux était premier en tout, que c'est le système nerveux qui était déjà, depuis des décennies, d'ailleurs ça n'a pas changé, et qui a continué d'être ce moloch physiologique qui résolvait tous les problèmes. D'accord. Tout est nerveux, tout est cérébral. C'est votre cerveau qui pense, c'est votre cerveau qui veut, c'est votre cerveau qui aime. Eh bien, tout cela est faux. Je le dis peut-être un peu immodestement, c'est pas grave, on peut m'objecter, on pourra le faire, mais ce n'est pas possible que ce soit vrai. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce qu'un organe ne peut pas penser. Un organe est un organe, ça fonctionne, mais ça ne pense pas. Pourquoi ? Parce que la pensée est un acte spirituel, un acte intellectuel. Un acte intellectuel que je pose, moi, en tant qu'être humain, il est forcément dû à quelque chose de spirituel. C'est-à-dire ce qui anime le corps. Donc ça veut dire qu'on peut, donc, en agissant sur ces glandes, transformer la psychologie, c'est-à-dire agir. On agit. Peut-être même guérir une maladie mentale, je m'avoue. Oui, mais bien sûr, mais je n'ai pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. On pourrait, conditionnel quand même, ouais. Théoriquement, je dis théoriquement parce que pratiquement il faudrait entrer dans les officines des psychiatres, etc. Mais on pourrait modifier l'état d'équilibre des psychotiques et des malades mentaux, car l'auteur Gauthier a montré, et j'ai repris tout ça dans les ouvrages, que l'origine fondamentale du trouble mental n'est pas du tout cérébrale. C'est entièrement endocrinien. Alors voilà, ça fait partie de nombreux chapitres de l'endocrinopsychologie, mais là on va un petit peu loin quand même. Il vaudrait mieux, peut-être, à moins que des questions se posent après, mais que nous puissions parler des glandes en général et finir l'introduction. Oui, Gauthier, donc, vous avez compris que ce voyant se transformer par l'apport glandulaire, il s'est dit, mais pourquoi nous dit-on alors que tout est cérébral, que l'intelligence même, l'adaptation, les émotions, enfin, tout est d'origine cérébrale, le cerveau partout. Il le mettait en doute puisque lui, sans intervenir sur le cerveau, acquérait des capacités qui étaient dues censément au cerveau, mais qui n'étaient pas le cerveau, puisque c'est par la thyroïde qu'il est parvenu à se donner ses capacités. Alors, il faut être logique.
Il s'est dit, mais alors pourquoi nous a-t-on dit depuis tant d'années que le cerveau... Eh bien, la réponse est là, c'est qu'on s'est trompé de prémisse. C'est-à-dire, la prémisse du raisonnement qu'on aurait dû faire il y a 150 ans avant, au début du 19e siècle finalement, c'est de dire, les glandes endocrines sont premières en tout, le cerveau, c'est un organe très important, mais second, je n'ai pas dit secondaire, je dis second, il vient après, et on le montre embryologiquement, on le montre de manière régulière, le cerveau est myélinisé par l'apport des hormones thyroïdiennes. Si on est hypothyroïdien congénital, il y a un déficit réel de la myélinisation, c'est-à-dire de la formation de cette graisse nerveuse, des gaines nerveuses, et de la synaptogénèse. Alors, c'est des termes un petit peu barbare. Synaptogénèse, ça veut dire les synapses, c'est-à-dire les relations entre les neurones, tout simplement. D'accord. Se font très mal, le cerveau est mal constitué, et parce que l'oxygénation cellulaire est mal orchestrée. L'oxygénation, c'est-à-dire l'apport d'oxygène, est due essentiellement à la thyroxine, à l'hormone thyroïdienne. Alors Gautier donc a mis en doute, et c'est ainsi qu'il s'est lancé à corps perdu dans l'étude des glandes endocrines juste après la guerre de 14. D'accord. Et ça a été des milliers de pages, comme je le disais, pour démontrer que tout dans notre économie physiologique et psychophysiologique est d'origine endocrinienne. Donc la prémisse de raisonnement chez Gautier, c'est tout est glandulaire, tous nos fonctionnements sont d'origine endocrinienne, non seulement physique, mais aussi psychologique. Les capacités que j'ai de penser, d'aimer même, de vouloir, de me concentrer, d'entreprendre, de mémoriser, toutes ces capacités qui sont des capacités de... Ben c'est là le côté un peu philosophique, mais de mon âme spirituelle, de mon libre arbitre, eh bien, sont dues non pas au corps, mais à l'esprit. La difficulté... C'est encore l'introduction, mais c'est intéressant, je crois. La difficulté de ce problème, c'est que là, on n'est plus en science. Or, tous ceux qui font profession de nous faire connaître les fonctionnements humains veulent, prétendent, faire acte de science, n'est-ce pas ? Mais ce qu'ils ignorent, sans doute, ce qu'ils ont ignoré, en tout cas, ce qu'il me semble, c'est très fort comme argument, c'est qu'ils ont... penser que l'homme était un objet de science comme les autres. C'est naturel qu'on veuille connaître l'homme, l'être humain. Mais l'homme est le seul objet de science qui soit animé par un esprit. Il n'y en a pas d'autre. Que vous fassiez de l'informatique, de la mécanique des fluides, de l'électricité, ce que vous voulez, il n'y a pas d'esprit. C'est la matière. Et d'ailleurs, il n'y a de science que de ce qui est matériel, évidemment. Or, l'être humain, comme objet de science, objet d'étude. Comment ça fonctionne un homme? Il n'y a pas que le pancréas ou le cœur ou les divers fonctionnements organiques. Il y a nos capacités mentales. Comment je fais pour penser, pour comprendre, pour vouloir, pour aimer, pour être ému? Qu'est-ce qui préside à ces fonctionnements? Eh bien, la prémisse des scientifiques depuis 200 ans, c'est que c'est le cerveau qui préside à ses capacités. Gautier, continué par une mauvaise personne, affirmons que ce n'est pas possible, ni scientifiquement, surtout, ni philosophiquement. Parce que on ne peut pas comprendre l'être humain si on ne fait que de la science. Puisque l'âme humaine ne peut pas être appréhendée par la science. Or, on ne peut pas faire l'impasse des capacités psychologiques de l'homme qui font partie de l'être humain sans réfléchir sur ces capacités. Or, la réflexion, c'est d'ordre philosophique. Il n'y a pas de science. Alors, comment faire pour appréhender? Et comment ils ont fait, les scientifiques, les neuroscientifiques? Eh bien, ils ont tout simplement produit un postulat. Tous ces neuroscientifiques sont dans le postulat radical qui est d'affirmer que nos capacités intellectuelles, par exemple, sont dans le cerveau. Mais c'est un postulat, ce n'est pas une démonstration du tout. Et je l'affirme
par le biais philosophique. Sur le plan scientifique, on peut y arriver aussi. Mais enfin, seulement sur le plan philosophique, il faut nier cette assertion que le cerveau soit là, disons, le nec plus ultra de nos capacités. C'est ce qu'on apprend partout, enfin, partout. Si j'ose dire. Partout. Moi, j'étais très étonné d'apprendre vos thèses, et bon, les thèses du docteur Gauthier, en tout cas, que donc ces glandes endocrines auraient un rôle essentiel en fait dans notre développement et dans notre, on va dire, presque dans notre état physiologique et psychologique général. Quoi. Absolument, général, somme corps et esprit. Et c'est tout est glandulaire, disait-il, pas un principe même le plus mental, le plus éthéré même, quasiment même les pensées les plus éthérées, ne peuvent pas se séparer de l'action glandulaire. Alors, si vous voulez, souvent je fais des oppositions pour mieux faire comprendre. Celui qui est dans l'incapacité de produire des facultés normales, ce sont des malades mentaux. Leur raison, leur capacité de comprendre, la capacité de synthèse, leur adaptation au réel, tout ça, ça a disparu. Je parle des malades mentaux importants, il y a des gens intermédiaires qui ont encore des capacités, mais enfin, les vrais malades mentaux sont privés de ces capacités. Eh bien, on n'a jamais trouvé dans le cerveau, et Dieu sait s'il y a eu des recherches, un quelconque paramètre explicatif d'une anomalie de ce genre, une anomalie de faculté qui serait déficitaire chez quelqu'un, dont on pourrait dire « Ah, telle partie cérébrale est impliquée dans ça. » Jamais. En revanche, l'auteur Gauthier a montré, je continue ses recherches, que tous ces déficits chez ces malades mentaux sont d'origine endocrinienne. Alors c'est un peu révolutionnaire, il faut le dire, mais j'ai repris il y a 4 ans, ça va faire 5 ans, un gros manuscrit de l'auteur Jean Gauthier, genre je l'ai travaillé beaucoup, je l'ai synthétisé, je l'ai corrigé, et puis j'ai un peu mis au goût du jour ce manuscrit énorme sur les maladies mentales, que j'ai fait paraître en 2009, qui fait près de 700 pages, ce livre, pour montrer et démontrer, si possible, l'origine des troubles mentaux est glandulaire. Elle n'est pas du tout cérébrale. Voilà. Alors, maintenant qu'on a fait une introduction, à moins qu'il y ait des questions ou des objections, on pourrait parler d'un autre concept qui est encore à cheval entre le corps et l'âme, si vous voulez, c'est que dans les glandes, il y a un concept qu'il faut développer, c'est l'équilibre glandulaire, en fait. Car les glandes sont quatre. Il y a quatre glandes principales. Et j'aime bien, souvent dans les cours que je donne, parce que je donne des formations pour essayer de faire que des gens qui continuent ce que je fais depuis 35-40 ans, parce que je prends de l'âge et que je voudrais assurer ma suite, mais ce n'est pas tout à fait facile. Eh bien, je dirais que l'équilibre glandulaire est le nec plus ultra de cette approche de ces organes glandulaires. Car, si vous voulez, il y a une petite, une petite action philosophique, une petite réflexion philosophique sur la possibilité d'être libre ou d'avoir du libre arbitre. Je dis que le cerveau ne peut pas être à l'origine du libre-arbitre, par exemple, parce que tout est cérébral pour eux. Alors, la liberté, qui est une qualité de l'esprit, il faut croire qu'elle est aussi dans le cerveau, hein, mais on n'en parle pas beaucoup. Eh bien, le cerveau ne peut pas être à l'origine du libre-arbitre. Pourquoi ? Parce que, si on prend l'image d'une balance, à deux plateaux, si je veux peser, je voudrais qu'elle soit juste, cette balance. Si elle est juste, je peux donc satisfaire à mon action de pesage. Mais si elle penche a priori, je dis elle est mauvaise. Je ne peux pas peser, elle ne peut pas faire son office. Par métaphore, je dis, si ma balance endocrinienne, il n'y a pas deux plateaux, là il y en a quatre puisqu'il y a quatre glandes, est en équilibre, je vais faire que mes actes mentaux, puisque le problème c'est qu'on est corps et âme mêlés et substantiellement unis, donc on ne peut pas séparer ces deux, il faut quand même expliquer comment est possible le libre-arbitre. Alors je dis, si je veux poser un acte mental, en tout cas opérer un choix, pour que mon esprit pose un acte de liberté, je veux, par exemple,
de choix en tout cas, je veux choisir entre deux solutions ou trois, il faut que ma balance corporelle soit en équilibre, comme une balance juste, de manière que je puisse exprimer cette idée que je vais dire, que c'est moi, dans mon libre arbitre, qui fait peser cette balance du côté que j'ai choisi. Et là, je suis dans ma liberté d'utiliser mon corps comme un instrument adéquat à mes opérations mentales. Si mon corps est en déséquilibre, je suis comme une balance fausse, c'est elle qui va faire la pluie et le beau temps, elle va être, comment dirais-je, déterminante de mes opérations, c'est-à-dire que ma liberté va souffrir, je vais être entraîné vers des tendances, vers des passions, mon contrôle va être laborieux, il faut donc que je puisse toujours me contrôler. Oui, parce que ça va influer donc directement donc on va dire ce déséquilibre endocrinien, on peut dire ça, peut influer sur certains choix. Alors si je ne m'abuse pas, vous avez même précisé que ça peut être des choix sexuels, des choix. Tout à fait, voilà. Oui. Absolument. Alors, si vous voulez, là, il faudrait qu'on puisse parler, puisque on essaye de faire une sorte de liaison entre tous les paramètres, c'est un peu compliqué, mais. Je voulais parler de la génitale. Bien sûr, bien sûr. La génitale, c'est très important en endocrino. On parlera de la thyroïde aussi. La génitale est une glande prodigieuse, en fait, mais inconnue. Puisque quand on dit génitale, ça veut dire qui engendre. On veut signifier glande qui engendre, génitale. C'est ça que ça veut dire. Mais voilà, les scientifiques ou les physiologistes, depuis des décennies, ont pensé que la glande génitale était celle qui était nécessaire ben justement à notre sexualité, à notre reproduction, etc. Mais il savait pourtant qu'il y avait dans notre glande génitale, qu'elle soit masculine ou féminine, deux parties, pas une seule. Finalement, il y a deux glandes génitales. Il y a la glande génitale dite reproductrice, qui permet d'émettre des gamètes, un spermatozoïde par exemple, les ovules chez la femme, et une autre glande qu'on a appelée, il y a déjà longtemps de ça, c'était au 19e siècle, la glande interstitielle. Parce que, tout simplement, chez l'homme, cette glande se situe dans les interstices des canaux séminifères. On parle de, c'est identique chez la femme, simplement l'anatomie est différente. Cette glande interstitielle représente la glande hormonale. Il y a donc deux parties dans la glande génitale, la glande reproductrice, qui émet les gamètes, et la glande hormonale. C'est à ce titre que la glande génitale est une glande hormonale. Mais on n'aurait jamais dû l'appeler génitale. Mais pourquoi l'a-t-on appelée génitale? Puisque ce n'est pas elle qui engendre, ce n'est pas elle qui favorise la reproduction. Contrairement à ce qu'on dit d'ailleurs, parce que eh bien, on l'a appelée génitale parce que tout simplement, elle se trouvait à proximité de la glande reproductrice. Quand on fait une coupe testiculaire, on a surtout travaillé sur la glande mâle, c'est plus facile à considérer. Qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on voit dans un microscope? On voit les canaux séminifères qui sont une pelote à l'intérieur du testicule. On voit la coupe de ces canaux, donc ce sont des sections arrondies. Et dans les interstices de ces canaux, il y a un tissu conjonctif de soutien, il y a des cellules qu'on appelle les cellules de Leydig, et ces cellules fabriquent et produisent l'hormone génitale. Chez l'homme, c'est la testostérone, chez la femme, c'est essentiellement la folliculine, les œstrogènes. Cette glande génitale, ne sachant pas à quoi elle servait, attendez, on a pensé qu'elle servait à la reproduction, à cause de la proximité des deux. Ouais. On a dit c'est la glande génitale. En fait, elle n'est pas sexuelle ni génitale, puisqu'elle est antisexuelle. Et Dr Gauthier, voyant des expériences animales, s'est rendu compte, a trouvé des expériences, il est tombé sur des expériences qui étaient très parlantes pour lui. Lorsqu'on regarde les testicules d'un chien ou d'un mammifère, qu'on opère cet animal, qu'on regarde ses testicules au microscope, on s'aperçoit qu'il y a
hypertrophie des canaux séminifères, mais atrophie parallèle, corollaire, de la glande interstitielle. Autrement dit, dans le rut, dans le rut animal, je répète, il y a hypertrophie des canaux séminifères, ce qui est normal, mais il y a atrophie des cellules à testostérone. Déjà, c'était une interrogation étonnante, c'est une interrogation extrême. Comment se fait-il que chez un animal qui possède une glande génitale dont on pensait qu'elle était sexuelle, elle est atrophiée dans le rut? Et quand on fait l'opération chez un animal qui est en état de repos sexuel, on s'aperçoit que c'est l'inverse. Les cellules, je veux dire les tissus reproducteurs sont atrophiés, mais la plage interstitielle est hyper développée. Autrement dit, lorsque l'animal est hors sexualité, sa génitale est hyper développée. Il y avait là une contradiction extraordinaire. Ce qui mettait à mal évidemment la thèse de la génitale facteur de sexualité. Elle est en fait une glande antisexuelle. Alors par analogie, le docteur Gauthier s'est interrogé sur la possibilité qu'il y aurait chez l'homme, l'être humain, de avoir son, disons, avoir ses capacités, de posséder des capacités de contrôle qui seraient dues à la génitale. Si vous voulez, par analogie, l'animal, lui, n'est pas libre puisqu'il est doué d'instinct, c'est automatique. L'instinct, c'est la période, c'est l'instinct animal. Toutes les espèces sont soumises, selon leur état, à ce genre d'action physiologique. Mais l'homme, lui, n'a pas d'instinct. L'homme a des tendances qui sont différentes. Alors, il a fait une sorte d'analogie entre la possibilité qu'un animal a de stopper, de façon non libre évidemment, de stopper sa sexualité, puisque c'est un instinct et qu'il n'est pas libre de l'enfreindre, et la capacité que nous avons, nous les êtres humains, qui sommes libres, d'utiliser ce même principe que nous partageons avec les animaux, puisque l'homme est un animal raisonnable, disait saint Thomas d'Aquin suite à Aristote. Donc nous avons une partie animale par le corps. Or, chez l'animal, cette glande génitale a un rôle antisexuel, mais chez nous, quel rôle a-t-elle? Quel rôle a-t-il? Alors voilà, il a affirmé que notre pouvoir de contrôle de nous-mêmes était conditionné. Attention au langage. Le langage est très très important parce qu'on a tôt fait de nous prendre pour des matérialistes en disant que nos facultés viennent de nos glandes. Attention, c'est sûrement pas vrai. Nos facultés sont libres, donc elles ne viennent pas des glandes. C'est l'inverse même. Nos facultés étant libres, on ne peut dire qu'une chose. Elles sont conditionnées par le substratum glandulaire. Donc les glandes sont les instruments, cette notion d'instrument est intéressante, je crois, de nos opérations mentales. C'est la seule manière de résoudre, en partie en tout cas, les relations entre le corps et l'âme. Les glandes sont dépendantes, par conséquent, d'une instance supérieure qui est l'âme humaine, le libre arbitre. Les glandes sont des instruments, comme le marteau dépend de l'acte que je produis en enfonçant mon clou. Le marteau, c'est un instrument, il faut qu'il soit en bon état d'ailleurs. De même, mes glandes sont les instruments, c'est analogique, de mes opérations mentales. Si mes glandes ne sont pas en équilibre glandulaire entre elles, si elles sont abîmées, si elles sont dysfonctionnelles, bref, mes capacités, même physiques d'ailleurs, mais surtout mentales, vont souffrir, ne vont pas être au niveau, vont être entachées d'impéritie, de difficultés, etc. Et voilà que là, on arrive à montrer comment ces glandes en équilibre peuvent être le fondement de notre efficacité intellectuelle et mentale. Alors, voilà. Alors, cette génitale est donc la glande de la volonté. Donc ça veut dire, pour bien comprendre, ça veut dire que donc on influerait sur ces glandes par notre mental, mais les glandes, elles sont dans un état de base. Est-ce que bien. Alors cet état, qu'est-ce qui détermine? Alors votre question me permet de continuer, vous avez raison, c'est bien de poser cette question, mais justement, souvent on va poser la question, mais
qui fait quoi, qui est premier dans l'affaire? Est-ce que c'est les glandes ou c'est le libre arbitre, etc. Évidemment, non, nous sommes des êtres en puissance d'être libres. C'est là la philosophie, un peu la réflexion, parce que sinon on ne comprend pas grand-chose. Si on est purement scientifique, on ne va pas comprendre ces choses. L'homme est un objet de science à part. J'ai bien dit, il faut la réflexion sur ce qu'il est. Une réflexion pour essayer d'appréhender le côté non scientifique. L'âme humaine, c'est quoi? C'est le principe vital. C'est le fait que je sois vivant. Mais c'est quoi le vivant? Ben, personne ne sait. C'est quoi le vivant? Ben, c'est l'âme, disait Aristote. L'âme, ça veut dire quoi? L'âme, c'est un mot qui signifie qu'on est animé. Quand on est mort, on n'est plus animé, donc il n'y a plus l'âme. C'est ça que ça veut dire. Donc, le fait qu'on soit vivant, ça veut dire que l'âme agit. Et dès que je suis mort, ça y est. Mon corps n'est plus cet instrument capable de donner à mon âme ses capacités. C'est un peu curieux. C'est curieux, mais c'est l'unité substantielle entre l'âme et le corps. Eh bien, lorsque donc j'opère... Attendez, j'ai perdu mon fil du coup, à faire mes digressions, mais ça va revenir. L'âme humaine, au départ, elle est, puisque l'embryon, que je sache, commence à être vivant, il est vivant, il se développe, etc. On ne va pas rentrer dans la discussion, l'âme se situe à quel moment, etc. Cette âme, est potentiellement, elle est dans l'être humain. Il est vivant, donc il a une âme. Mais pour que le corps devienne l'instrument adéquat de cette âme qui est là au début de la vie, mais qui n'est pas capable de raison encore, ni de capacité intellectuelle, elle va attendre une maturation. Une maturation du corps. Le corps se développe, les glandes interviennent énormément dans ce développement. Dr. Gauthier disait d'ailleurs que l'enfant à la naissance pendant un an est sous la domination de sa surrénale. On le voit par différents caractères, mais on ne va pas tout dire, on ne peut pas. Après un an, il devient thyroïdien dominant, nécessité d'apprendre le langage, glande de l'émotion, glande de la sensibilité, la thyroïde, glande de la mémorisation. Donc cette glande entre en lise de façon puissante entre un an et, 7 ans, avec une apogée à 5 ans. L'enfant va donc acquérir des capacités vitales, mémorielles et intellectuelles déjà après l'âge de 1 an. C'est très doux au départ, mais ça développe. Ensuite, à 7 ans, il est sous la domination de l'hypophyse. Cette glande qui est située à la base du cerveau, qui est une glande, ce n'est pas du tout reconnu officiellement, parce que l'endocrinopsychologie, on est encore à 3 années-lumière de comprendre. Gauthier disait que c'est la glande du calcul, c'est la glande des mathématiques. Est-ce que c'est la fameuse glande pinéale, la glande? Non, la pinéale, c'est autre chose. C'est la glande pituitaire, hein, l'hypophyse. La pinéale, c'est l'épiphyse qui n'est pas très loin d'ailleurs. Donc, cette glande hypophyse est une glande de calcul, d'évaluation, de science, d'analyse, de jugement, de vérification, de quantification, enfin... On peut en dire des mots. Et comment est-il arrivé à comprendre cette capacité de l'hypophyse? Bien, c'est très simple. C'est d'abord quelques faits élémentaires, après il a développé. Si je prends les règles chez une femme, tous les 28 jours, il y a le cycle menstruel. Qu'est-ce qui déclenche le cycle menstruel? C'est l'hypophyse, agissant sur l'économie génitale de la femme, etc. Or, comment est possible ce calcul de 28 jours pour faire que tous les 28 jours, quand une femme est réglée correctement, il y ait ce déclenchement des règles? C'est tout simple. Il fallait qu'il y ait dans l'hypophyse un principe calculateur. C'est ainsi que l'hypophyse est douée à la fois d'une partie hormonale, l'antéhypophyse, et d'une partie nerveuse, la post-hypophyse, qui fait que elle va gérer, cette hypophyse, les relations entre l'hormonal et le nerveux, si vous voulez. Bien. Alors, l'hypophyse dans des mathématiques. J'ai dit pourquoi et comment, mais enfin, on ne peut pas approfondir. Et ceux qui sont sous la tutelle, enfin, sous la dominance de cette glande hypophysaire, sont des gens qui sont plutôt scientifiques, qui aiment les maths, qui aiment raisonner, ils sont sur le plan physique résistants,
ils ont du sang-froid. C'est une glande de résistance, si vous voulez. Donc, à la fois intellectuellement, raisonnement, analyse, science, sur le plan physique, donc résistance, sportif, d'endurance. Alors, l'hypophyse à partir de 7 ans, d'ailleurs, c'est curieux qu'on dise de façon immémoriale que la glande hypophyse, que 7 ans est l'âge de raison. Ouais. Gautier l'a redécouvert d'une façon en l'appuyant sur des réalités glandulaires. La glande de la raison, donc l'âge de raison, c'est bien 7 ans. L'enfant s'intéresse aux mécanos, vous savez, autrefois on avait des jeux de mécanos, etc. Il commence à comprendre des éléments de raisonnement. Il voit que hier c'était avant, demain c'est après. Vous voyez, il a des notions de ce genre qu'il n'a pas avant. Il a du mal à concevoir à 4 ans, 5 ans, demain, hier, c'est des notions qu'il... Parce qu'il faut calculer, il faut voir. C'est un jugement. Il ne peut pas à trop tôt. À partir de 7 ans, il le peut. Voilà. Et puis, enfin, après vient la dominance génitale. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore dire sur la génitale? Après, on pourra peut-être parler des détails. Il y a beaucoup de choses à dire. Ouais, il y a une chose qu'il faut dire ici, qui est vraiment très importante. C'est ce qu'est la puberté. La puberté... On ne sait pas ce que c'est. Bah ça nous est présenté. Moi, je fais mon avocat du diable. Bien sûr. C'est-à-dire, ça nous est présenté. C'est le passage où on nous dit que notre corps change, qu'on sent des changements intérieurs. Alors, sans comprendre vraiment, mais bon, pour les garçons, en gros, hein, voilà, on a une pilosité apparente. Et pour les filles, on va dire, quelques attributs qui commencent à se faire voir. Et donc, en gros... on a le désir sexuel qui grandit à partir de ce moment-là. C'est comme ça qu'on nous présente la puberté. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut affirmer plutôt, bien qu'il faille, c'est pas nécessaire de dire le contraire absolument de tout ce qui est dit là. Ce n'est pas entièrement faux, mais ce n'est pas totalement vrai non plus, loin s'en faut. La puberté, c'est avant tout l'acquisition de l'équilibre glandulaire. Donc la puberté n'a jamais été et ne sera jamais l'avènement des forces de reproduction. La puberté consiste en la stimulation de la glande génitale interstitielle, qui n'est pas sexuelle. Mais voilà, pourquoi avons-nous pensé depuis trop longtemps que la puberté était en rapport avec la sexualité? Bien tout simplement parce que, vers 12 ans justement, il y a, dans cette stimulation de la glande génitale endocrine, une stimulation corollaire, parce que c'est le moment de préparer la fonction sexuelle, une stimulation de la glande reproductrice, qui va évidemment se manifester en conjonction avec la thyroïde, qui est une glande de sensibilité, de plaisir, d'excitation, va pouvoir nous troubler quelque peu par rapport à ces questions. Et donc, on va mettre l'accent sur la sexualité comme finalité de la puberté. Or, il existe une... Ça, c'est une découverte du docteur Jean Gautier. Les médecins savent qu'il existe une première période qui est vers 8 jours de la naissance. Ils savent, ils l'ont répertorié, mais ils n'en connaissent pas la finalité...